Nous sommes très contents. Nous avons vu l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Et alhamdulillah, cela montre nettement que toute la commune de Kaour actuellement est acquise à notre cause. La synergie pour un développement durable, Yonou Natangé. Nous sommes là pour mieux renforcer la coalition Benno Bokk Yakar. Il y a certaines personnes qui ont pris la parole pour souhaiter que je sois président en 2024. Mais je leur dis que nous sommes là pour accompagner son Excellence, le président de la République, Macky Sall. Nous l'accompagnons jusqu'au bout. Maintenant, le pouvoir, c'est du domaine de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut. Mais nous comptons accompagner et nous allons continuer d'accompagner son Excellence, le président de la République, Macky Sall, jusqu'au bout. Nous avons interrompu notre manifestation parce qu'on n'a pas d'électricité ici. Je profite de cette occasion pour demander au ministère en charge de l'énergie de tout faire pour électrifier Senghor dans sa globalité, pour électrifier la commune de Kaour et le département de Gourombe. C'est important. Je lance un appel à mon cher ami directeur de l'électricité, Ibrahim Niane, certainement, mais également le directeur général de Senelec, Pape Mademba Bité, ainsi que le ministre en charge de l'énergie, vraiment de tout faire pour électrifier ces différents villages. Parce que auparavant, on avait du mal à venir ici, surtout organiser une manifestation, surtout avec le problème de la casemasse. Mais en ce moment, toute la population est revenue. Donc l'État, on demande à l'État de mieux nous accompagner à vivre en paix. Et cette électrification va beaucoup continuer. Oui, son Excellence le Président de la République, Macky Sall, a beaucoup fait pour cette zone. Il a beaucoup fait durant son magistère. Mais nous demandons encore une fois, il pourra faire davantage et nous lui vraiment demandons à ce qu'il aide cette population. Oui, mais bien sûr, les élections municipales, c'est pour le 23 janvier prochain 2022. Et tout le monde sait que la SDD Yonou Natangé, le département de Gourombe, est acquis à notre cause. Ça, c'est clair. Nous sommes le seul fils de Balanta Kunda qui a un parti politique. Mais ce n'est pas uniquement le Balanta Kunda. À Ziguinchor également, vous étiez à Ziguinchor le 24 mars passé, tout juste après les émeutes. Mais vous avez vu la forte mobilisation exceptionnelle que la population de la Casamance, dans sa globalité, nous avait réservée. Et nous donnons rendez-vous aux Sénégalais le 22 mai prochain. Nous allons faire une très forte mobilisation à Ziguinchor, au rond-point à l'Institut Diatta. Voilà, merci beaucoup, Didier.